Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fusion entre Centrale et Supélec est derrière nous. L'Université Paris-Saclay est en place. Et donc maintenant, Centrale-Supélec doit ouvrir une nouvelle page de son histoire. Elle doit ouvrir cette nouvelle page de façon à augmenter son impact, à mieux répondre à tous les défis environnementaux, sociétaux, économiques, de réindustrialisation auxquels nous faisons face. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer la préparation d'un nouveau plan stratégique. Un plan à l'horizon 2022-2032. Les équipes de Centrale-Supélec travaillent depuis des mois sur le sujet et nous avons décidé d'ouvrir cette consultation démocratique que nous souhaitons la plus large et la plus participative possible. Plus il y aura de réponses et plus on pourra en tirer le profit. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Je vous remercie de prendre le temps de répondre à ce questionnaire, de nous apporter vos idées, vos connaissances, votre expertise, vos intuitions et de nous aider ainsi à bâtir ce plan pour le futur de l'école de Centrale-Supélec. Merci. Bonjour. Le conseil d'administration de Centrale-Supélec est bien évidemment très impliqué dans ce travail de construction du nouveau plan stratégique de l'école. À ce titre, je vous invite à répondre à la consultation que vous allez recevoir par mail dans quelques jours, adressée par Romain Soubeyran, le directeur de l'école, parce qu'évidemment, tous vos contours vont être la base qui va nous permettre, tous ensemble, de construire un avenir radieux pour Centrale-Supélec. Stratégie de groupe. Des idées novatrices. École humaniste. Pour l'avenir de l'école. Leadership mondial. Projection. Construction collective. Partageons nos expériences. Les ingénieurs au service de la société tout entière. Un nouvel impact pour Centrale-Supélec.